prenne moins de bas. Ouais, je pense qu'on a été surtout plus fraîche physiquement. On sait que dans ce genre de match, c'est vraiment le combat qui prime. Et quand on est plus frais physiquement, on a un petit avantage. Après, le début du match, c'est ce qui nous manque un peu. C'est le début de match d'Euroleague, je dirais, qu'on n'a pas disputé cette année. Vous avez fait chez vous, contre Bourges déjà. Ce qu'on a fait chez nous, c'est 4-5 premières minutes. Pourtant, on le sait, mais où on a besoin de temps un peu pour se mettre en rythme et prendre l'intensité du match. Là, ce soir, on ne le paye pas. Il y a des gros matchs qui arrivent derrière. Prendre un 10-0 contre certaines équipes, on peut le traîner jusqu'à la fin, notamment contre Bourges, que peut-être on retrouvera plus tard. Donc voilà, ce soir, on est content d'avoir gagné. Mais bizarrement pour moi, c'est la première fois que la Coupe de France n'est pas en fin de saison, donc ce n'est pas le dernier match. On a fait des erreurs quand même, notamment ce début de match, donc on a encore du travail pour mercredi à la Charlie. C'est l'équipe qui gagne, je pense, parce que la défense, il faut qu'on défende à 5, il faut qu'on se batte à 5, ceux qui sont sur le terrain, plus les 5 qui sont sur le banc, donc je pense que c'est ce qu'on a fait ce soir. On a montré qu'on était vraiment une équipe et qu'on était vraiment solidaire, et je pense que sans ces valeurs-là, on ne peut pas gagner des titres. Ouais. Ils auraient dû en faire une un peu plus légère, mais bon, on se contentera de celle-ci. Hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. À la fin de saison. De gagner la coupe qui reste à gagner. Après on verra. Merci beaucoup, Gaga.